Bonjour, bienvenue sur l'épisode 51 du podcast de Keep Calm and Knit. Je suis Julie. Ceci sera un épisode tricot. Je ferai un épisode de couture à part. Et donc, on se retrouve aujourd'hui 1er mai. D'ailleurs, joyeux 1er mai. J'espère que tout le monde fait le pont. Enfin, personne ne travaille. En Belgique, en tout cas, on ne travaille pas. Et donc, voilà, on se retrouve donc pour le tirage au sort de ce merveilleux petit écheveau. Hop! Voilà, rose. Donc le Pinky Winkle de Knit Crate. Voilà, le nom, il est là. Donc comme l'autre fois, j'essaierai de remettre toutes les informations en dessous du post Instagram. Comme ça, vous pourrez retrouver des choses. Donc, j'ai coupé les petits noms. Merci à toutes pour vos participations. J'ai la petite main innocente. C'est pas la mienne, hein. Voilà, j'ai mes deux mains, c'est pas la mienne. Qui va tirer au sort pour vous. Hop. Et donc, la gagnante est, hop, au bout du fil. Voilà, bravo à toi. Donc, si tu veux m'envoyer en message privé ton adresse, je le mets à la poste mercredi ou jeudi. Voilà, me revoilà, petite pause pour libérer le lapin qui va continuer à vaquer à ses occupations. Voilà, voilà. Alors, donc, ceci est un podcast tricot. Donc j'ai quelques projets terminés à vous montrer. Le premier étant celui que je porte puisque il fait de nouveau moche. On a eu une super semaine et puis finalement tricoter de la déca, bah, ça fait bien plaisir. Donc attendez, hop. Pardon le bruit de chaise. Ceci c'est quoi? C'est le pull. Hop, on ne voit rien du tout sur un nuage. Sur un nuage de Atelier Mini, sur un nuage de... C'est le pull sur un nuage, point. Voilà, donc il est tricoté avec un fil Kid Silk de Drops et de la Eden Cottage Yarn que j'avais acheté en solde au Kaleidoscope il y a bien 2 ans. Donc voilà, hein. Comme quoi tricoter son stock. Et alors ce que j'aime bien, je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer, c'est que du coup, la Eden Cottage Yarn fait un genre de... Il y a des petits points comme ça un peu partout, un peu argenté. Voilà, enfin, je trouve ça super fun. Donc voilà, j'ai fini ça. Et donc avec Maureen de la Pivoine, nous sommes les tricoteuses de l'extrême. On a décidé, voilà, quand tout le monde commence à tricoter de la fingering pour l'été, nous, on tricote de la déca, du pluchu, du... Voilà, donc ça, c'était le premier projet terminé. En deuxième projet terminé, j'ai des chaussettes. Ce sont les chaussettes de l'homme. Ce sont les bloqueurs chats. En laine, Rico Design. Et en fait, c'est avec du bambou. Donc voilà. Et là, je me dis, avec le bambou, comme c'est plus frais, hein, c'est moins... ça tient peut-être moins chaud que du nylon. Avec le bambou, bah, même dans ses baskets ou dans ses chaussures de sécurité, bah, c'est pas trop mal. C'est lui qui a choisi les couleurs. Hein. Donc voilà, mauve, blanc, underlegged. Voilà. Donc, elles sont finies. J'en ai bien deux. Voilà, voilà. Je ne sais pas quoi faire. Hop. Voilà. Et du coup, je suis copine de chaussettes avec je ne sais pas qui a tricoté aussi une paire dans cette laine-là. Donc, c'est les... La Goumi de Bergère de France. Voilà. Ça, c'est quand même des teintes super sympas pour l'été. Donc, citron, enfin, je sais pas. C'est comme là. En fait, ça me fait penser aux fruits du dragon. Bref. Donc, voilà, j'ai les deux. Moi, je suis bien contente. Hein. Soc addict un jour, soc addict toujours. Donc, on continue de porter des chaussettes. Hop, troisième projet terminé. Alors, ne me demandez pas, quand j'ai fini ce pull-là, je ne le fais pas dans l'ordre chronologique, hein, mais j'ai eu envie de faire du jacquard. J'ai fait un bonnet en jacquard, voilà. Donc, c'est le modèle Sit-Cat sur Ravelry, j'ai pas le patron. Je pense que c'est un modèle gratuit, mais sans certitude. Parce que j'ai quand même pas mal de restes de déca que j'aimerais bien employer dans un projet. Voilà. Donc,
Le mauve et le orange, en fait, ce sont des restes d'un pull. Le rose, je ne sais plus d'où il vient. Et le vert, c'est de la drop Népal que j'avais fait. J'ai fait un pull pour mon chéri qui ne met jamais parce que l'homme a toujours trop chaud et que ce pull tient super chaud. Donc voilà. Et ça, c'est un reste de cachemire de Bergère de France aussi où j'avais fait un pull. Et donc voilà, il me restait de la pelote. Et après avoir tricoté cette chose, il me reste encore de la déca. Donc en fait, je pense que je vais faire des mitaines qui vont avec. Voilà, je prépare déjà l'hiver. Oui. En fait, il y a tellement de cales pour l'instant que je pourrais le mettre dans le cale hiver toute l'année, Noël toute l'année, de la boutique, je pense. Mais voilà, je ne me suis pas inscrite. Je ne m'inscris pas au cale. Bref. Donc voilà. Et puis, en fait, ce qui est bien, c'est que ça, c'est des petits projets. Ça va vite. En 2 jours, c'est bouclé. Et on est tout content parce qu'on se dit, ouh, j'ai fini un truc. Les médicaments me bousillent complètement le cerveau. Je n'ai pas de mémoire. On me dit un truc, j'oublie. Enfin, je m'en souviens 2 heures après. Enfin, bref, n'importe quoi. Et du coup, j'ai fait un autre, hein, puisqu'il me restait encore de la déca. Et ça, c'est le modèle Smalt. Smalt. C'est un modèle gratuit sur Ravelry. Donc voilà, avec du jacquard. Ça se finit un peu en étoile en fait. Donc à un moment donné, pouf, on rétrécit beaucoup de. Voilà, et celui-là, je dois l'envoyer à la poste. Voilà. C'est de la cascade. Et en fait, j'aime bien parce que dans le bleu, il y a des reflets un peu verts. Donc voilà. Et là, le gris, c'est de la laine paysanne. Voilà. Hop, donc 1, 2, 3, 4, 5. Alors, Knit Create m'avait envoyé des échevaux de déca pour tester leur déca. Et donc, j'ai fini un châle. En fait, ça a sorti à mes chaussettes. Voilà, donc j'ai improvisé un châle vert, gris-jaune. En fait, c'est un dégradé sur les chevaux. Donc, ils m'ont envoyé 2 échevaux. Et donc, bah, voilà, j'ai fait ça pour dire que j'emploie tous les échevaux. Donc, voilà, j'ai fait des petits pompons. C'est des couleurs que j'aime bien. Avec les boucles d'oreilles, la dentelle, c'est pas une bonne idée. Voilà, donc avec le gris, ça va bien aussi. Donc c'est un modèle très très bête. Hein. Donc j'ai commencé, vous savez, la petite languette magique là. On prend 3 mailles, 3 mailles, 3 mailles. On met 4 anneaux marqueurs. 4 augmentations sur un côté, 2 augmentations de l'autre. Du jersey. Et puis, ben voilà. Donc là, j'ai fait 3 rangs de trou-trou, 4 rangs de trou-trou, 5 rangs de trou-trou. Et ainsi de suite, quoi. Voilà. Rien de bien sorcier, n'est-ce pas? Voilà. C'est très joli comme ça. Je vais le garder. Non, c'est une blague. Donc voilà. Donc Knit Create. Et en fait, c'est une déca qui est quand même très très douce. Le fil est très rond, très lisse. Je n'ai plus l'étiquette pour vous montrer, évidemment. Mais non, j'aime beaucoup. Et puis, il y a quand même un certain poids. Hein. C'est pas ultra fluide. Donc pour la mi-saison, je pense que c'est de la déca vraiment sympa. Bon, j'ai pas dit en plein été avec 40 degrés, ça le fera moyen. Mais là, pour le printemps, je trouve que c'est agréable. Donc voilà. En même temps, je suis pas hyper sensible au pic-pic. Donc voilà. Alors, le lapin, il y a 2 ans. Oui, 2 ans. Je l'avais tricoté le Snow Dancer. De Nadia Crétin-Léchette. Donc c'est un très joli pull avec des petites vagues. Force est de constater que le lapin grandit mais que le pull pas. Donc voilà. Donc je lui en ai refait un. Donc celui-là je vais pas l'essayer puisque c'est pour elle. Donc je lui en ai refait un. On voit les petites vagues? Pas trop. Hein. Voilà. Et comme pour son autre version, en fait j'ai remis les petites vagues sur les manches. Alors c'est un mélange de 3 laines, donc des stockages. Ça c'est de la LITLG. C'était un des premiers tricotés que j'ai fait à la cabane tricotée. Voilà. Alors il y a un. Ouf, on va pas voir les rayures. On voit les rayures. Donc le rose clair, c'est de la Eden Cottage Yarn. Et le rose foncé, c'est de la Eden Cottage Yarn aussi, mais c'est 3 bases différentes.
J'avais deux échevaux, un écheveau et un écheveau de LLG. Voilà. Donc, évidemment, ici, au-dessus, ça fait des rayures puisque on tricote en aller-retour. Et sur les manches, mais c'est pas très très choquant, hein, mais on met les manches sur le corps. Je vais faire comme ça sera plus. Voilà. Vous voyez, en fait, sur les manches, je n'ai pas fait les rayures. Donc, le lapin n'a rien dit, le lapin l'adore. Et donc voilà. En fait, je pourrais presque le mettre en fait. L'année prochaine, elle mettra mes pulls. Non, c'est une blague. Voilà. Donc, il est bien, il est tout doux, elle l'adore. C'est Alice qui disait ça aussi, je pense. Pourvu que ça dure. Hein, pour l'instant, elle est toute contente quand je lui fais un truc. Donc. Très bien, très bien. Et ça c'est le plus ancien, mais c'est celui que je porte le plus en fait. Hein, donc j'ai déjà lavé deux fois. C'est le Lady Marple, hein, le bien connu gilet Lady Marple en laine paysanne, bouton en corne qui vient de ma grand-mère. Voilà, donc. Enfin, c'est un gilet vraiment ultra basique. Mais qu'est-ce que cette laine tient chaud? Alors, elle est un peu rustique. Hein, donc, elle n'est pas hyper, hyper douce. Je ne sais pas si vous allez voir. S'il fait le point. Il fait le point. Il y a un léger duvet qui se met. Mais je le mets quand même vachement souvent. Oui, je fais les manches à plat et puis je les couds. Mais ça ne feutre pas. En dessous des bras non plus. Que je vous montre le côté. Hop. Je ne l'ai pas rasé. Hein. Voilà, donc là, ça ne feutre pas. Maintenant, je pense que si on le met à la machine à 40 degrés, ça feutre bien. Voilà, donc non. Le fil à tricoter, je n'ai pas trouvé hyper super doux. Mais une fois bloqué, lavé, moi, je trouve ça très très souple. Ça me fait penser à de la cascade, en fait. Mais bonjour, l'accent belge, là, vous avez entendu? Bref, donc voilà, Lady Marple. Un modèle très simple, sur une robe, sur un pantalon, même avec un gilet fingering en dessous, ça remplace facilement une veste. Donc, comment dire que je l'adore. Voilà. Et les projets finis sont finis. Du coup, projet en cours. Mamie se réinstalle. J'attrape la chaux. Hop. Voilà. Toute une organisation pour faire des podcasts, je vous jure. Donc, dans les projets en cours, j'ai toujours la granny stripe blanquette pour le lapin. Alors, comment est-ce qu'on va vous montrer? Voilà, donc j'en suis là. J'ai fait à peu près un tiers. Donc, elle est grande. Très, très grande. Et donc là, j'attaque en fait tous les restes verts. Donc il y aura vert, vert, bleu, mauve et rose. Voilà. Et alors j'ai fait un assemblage des gris qui me restaient pour faire le tour de la dite blanquette. Voilà. Donc c'est son couvre-lit pour cet hiver. Oui, c'est ça. Donc moi je fais 1,70 m. Donc ouais. Donc, elle fera à peu près 2 mètres sur 2 mètres 20. Voilà. Donc, ça avance. Hein. J'avoue que j'arrive pas à faire un rang par jour. Non, non, non. En fait, c'est plutôt. Voilà, ce soir, je ne fais que ça et je fais 10 allers-retours d'un coup, quoi. Voilà, hop. Mettre le cake dedans. Donc, ça, c'est l'encours numéro 1 qui sera fini pour le mois de. De décembre, septembre, octobre, enfin, ce serait bien. Alors, j'ai monté. Hop. Voilà. Donc, ceci, c'est de la laine Pirate and Wall. Parce que je vais me faire un pull fade. Fade. Un pull fade, ouais. Voilà. Donc, j'en suis à la deuxième couleur. C'est la même chose que sur la manche, hein, sauf que moi, je mets les mailles à l'endroit, à l'intérieur, et en fait, plus facile pour tourner.
je tricote en 3,5. Et donc, en fait, c'est... Voilà. Hop, pirate de voile. Donc, c'est de la laine à chaussettes, mais moi, je la trouve quand même vachement agréable. Donc, et puis, elle a des couleurs super sympas. Donc, en fait, donc c'est du vert avec du blanc et un peu de jaune. Puis, ça sera du jaune avec un peu de vert, un peu de blanc. Ça passe à du gris avec un peu de jaune, un peu de noir. Pour finir sur du vert avec un peu de gris, un peu de noir. J'ai dit du gris? Non, du bleu. Voilà. Donc, je n'ai pas acheté le patron. J'improvise et je change les couleurs quand j'ai envie de changer les couleurs. Voilà. Après, bon, ben oui, vous pouvez acheter le patron aussi. Mais de toute manière, je vais zapper le point mousse là sur les épaules. Hein, parce que personnellement, et c'est un avis qui ne regarde que moi, mais je trouve que mettre du point mousse vraiment sur le bord des épaules comme ça, en fait, ça fait des carrures de déménageurs. Enfin, je sais pas. Esthétiquement, je trouve pas ça joli. Sauf si vous êtes, voilà, vraiment une toute petite chose et que vous n'avez pas d'épaule. Mais sinon, ça donne vraiment l'impression d'être foutu en triangle. Après, c'est au goût de chacun. Mais moi, je le ferai pas. Je le ferai pas pour la petite non plus. Voilà, voilà. Ça rentre plus dans mon sac à projet. Bref. Dans un trop joli sac à projet que j'ai reçu de Margeva. Voilà. Avec des petites étoiles. Trop mignon. Donc voilà, ça c'est premier encours. Deuxième encours. Qui n'est pas encore monté. Je vais refaire un Lady Marple. En... Et là je suis en train de regarder parce que c'est de la... Charisma. Charisma de Drops. J'ai plein de charisma, donc je tricote le stock. Et donc je vais monter comme un Lady Marple, sauf que dans le dos, je vais faire... Hop, hop, je vous montre une photo sans vous montrer les explications. Comme ça. Le Jenny Drop Shoulder. Ben non, le Jenny Cardigan, c'est ça. Avec le... Je vais juste reprendre la grille du motif hibou dans le dos, voilà. Donc rien de fifou, rien de fifou. Dans un sac by night avec son merveilleux petit pince. Oui. Aïe aïe aïe. Elle sera clamarde d'ailleurs si vous voulez la retrouver. Donc allez lui dire bonjour. Et j'ai monté un troisième truc. Et là vous allez rigoler. Donc il n'y a pas de patron. Dans un super joli petit pochon de Air de Lune. Donc c'est dans une laine Knit Crate. Que j'ai acheté sur leur site pour essayer. Hein. Donc c'est bien de recevoir des trucs gratuits, mais après, voilà. Moi, j'ai trouvé que dans les chaussettes que j'ai faites, j'aimais beaucoup le rendu. Donc, j'en ai racheté. Et donc là, hop. Ceci est une improvisation de gilet. Voilà. Ta-da ! Donc, je suis à 267 mailles sur des aiguilles 2,5. Voilà, comme... Alors, c'est Nathalie qui disait ça hier. Donc, en fait, il sera fini demain. Hein, ça se voit, là. Donc, voilà. C'est une improvisation avec un motif que j'aime bien. Mais dont, voilà, j'ai pas envie d'acheter le patron. Puisque je vais réussir tout à fait à improviser un pull sur ce motif-là. Je dis pas qu'on doit le faire. Hein, mais après... Il y a quand même des patrons. Moi, je me dis, acheter un patron 8 euros pour apprendre à comment faire un truc, je trouve ça parfois un peu exagéré. Alors, hop, ça, je lâche. Alors, roulement de tambour, mettez une croix au calendrier, youhou! J'ai fait un échantillon. Voilà. J'ai fait un échantillon dans... Avec. On recommence. Alice, du lapin d'Alice, pas cet épisode-ci, l'épisode d'avant, avait montré un gilet de ce livre-là, Interprétation, le Let's Go de Rory Locatelli. Oui, c'est ça, de Rory Locatelli. Il n'y a pas une image où on le voit en entier, ça c'est triste. Si, ah, voilà.
vous voyez, avec des torsades, tout ça. Enfin, j'adore la version d'Alice. Et je me suis dit, je dois certainement avoir en stock quelque chose pour le faire. Du coup, j'ai filé de la laine. Ouais. Donc ça, c'est de la fibre que j'ai achetée chez John Arbon Textile. Donc, j'ai de quoi me faire un sweater quantity, donc une quantité pull. Voilà. Donc, j'ai pas fait grand-chose, hein, j'ai fait ça. J'ai deux mini échevaux. J'ai à peu près 150 grammes. Du coup, ben, là, j'ai quand même fait un échantillon. Hein. Félicitations. Oups, dans le bon sens. Voilà. Et je tombe pile poil. Merveilleux. Donc, j'aime bien le dessin. Je le trouve pas trop... Enfin, je le trouve pas trop lâche. Donc, ça va monter bientôt sur mes aiguilles. Alors, en fait, j'attends de faire un autre écheveau comme ça pour pouvoir commencer. Parce que j'ai pas envie de devoir laisser le gilet en attente en me disant, ouais, il faut d'abord que je file le fil. Voilà, donc c'est un retour Navarro. Hop, pour les copines fileuses. C'est un retour Navarro, c'est entre de la fingering, je sais pas si vous allez mieux voir comme ceci fait le point, c'est entre de la fingering et de la déga. Voilà. Et donc j'aime beaucoup et je suis assez fière de moi. Bon, hein, je vais pas vous mentir, les, je crois que j'ai foutu en l'air 30 grammes parce que trop gros, parce que trop fin, parce que ça s'est cassé 10 fois, parce que voilà. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas, mais il faut se remettre dedans, quoi. Donc, et j'avoue que j'en avais plus fait depuis ben, l'année passée. Donc voilà, voilà, cette petite chose finira en gilet pour cet hiver. Sérieusement, est-ce que ce vert n'est pas trop magnifique? Là, vous avez parfaitement la bonne couleur. Ah, j'adore ce vert. Voilà, donc ça c'est les projets en cours. Et donc, comme qui dirait, futur projet... Parce qu'en fait, je les ai sortis avec les laines associées. Donc, je vais faire un zweig. Oui, je vais faire un zweig. Je vais faire un vitamine D. Je vais refaire un fade après avec des laines que j'ai achetées chez Air de Lune. Voilà, enfin, j'ai plein d'idées. Et tout ceci, n'est-ce pas, se fera... Irlande. Bref, tout ceci va se mettre en place petit à petit. Voilà, voilà. 22 minutes, on est bien. Mon état est statu quo, donc je n'en ai pas parlé. Mais voilà, je suis dans les démarches administratives. C'est pas merveilleux. Il y avait le fil de la manche. Il y aura Clamart. Enfin, tout le monde en parle, hein, donc je suppose que tout le monde est au courant. Peut-être que j'irai quand même jusque Clamart, je ne sais pas. Comme qui dirait, ça dépendra du bon vouloir de mes vertèbres. Et puis, bah voilà. Donc, prenez soin de vous, profitez bien de ce jour férié. Cousez bien, tricotez bien. Et puis, à tout bientôt.